D'un film d'animation comme ça. Ouais, bah je vais expliquer peut-être un petit peu avant et du coup on pourra ensuite regarder pour mieux comprendre. Donc en animation, donc on n'a pas du tout la liberté qu'on a en film, en prise de vue réelle. On doit avoir vraiment tout hyper précis avant parce que c'est tellement long à faire qu'on ne peut pas se permettre de dire « Ah bah finalement, ce plan-là, je ne le veux pas, finalement, ça va être plus court, plus long. » Donc il faut avoir, avant de commencer la réalisation du film, il faut que tout soit calé, minuté, avoir vraiment un montage fait avant, ce qui est le contraire total des films habituels. Donc on fait d'abord un storyboard qui doit être assez précis pour savoir exactement ce qui va se passer, comment on aura nos plans cadrés. Maintenant que vous regardez votre travail, est-ce que vous pensez que c'était vraiment ce que vous cherchiez de... Arriver à ce que j'imaginais, voilà. Scénario. Je pense que oui. Et en fait aussi, ce qui est difficile, c'est que j'ai travaillé tellement longtemps dessus que je vois plus une suite d'images qu'un film. Donc peut-être qu'il faut que je le revoie dans un an, je sais pas. Mais... Voilà. Je pense que oui, j'ai une espèce d'attrait quand même pour ce qui peut être un petit peu... Ce qui va poser des questions aussi, ce qui va déranger. Même dans les films que je regarde, en général, c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y ait des petites choses... Pas forcément lisse et facile. Il y a beaucoup de symboliques qu'on ne voit pas forcément quand on le voit la première fois. Et même en le regardant une seconde fois, on a vu les symboliques. Et oui, rencontrer une réalisatrice comme ça, c'est toujours très intéressant de voir les gens qui sont immergés dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément bien. C'est la première fois que je m'adresse à, je pense, autant de personnes en même temps. Et en plus, des élèves, c'était assez rigolo parce que du coup, ils ont des questions assez variées, assez... des fois presque un petit peu naïve ou justement assez pertinente. Donc, j'ai eu plein de questions auxquelles je ne m'étais pas forcément préparée. J'ai pas de préférence, je m'intéresse à tout. Et... Non, j'ai trouvé tous les courts-métrages sont assez intéressants, je pense. C'est plutôt la réalisation vraiment qui m'intéresse que les histoires. Je commence à réfléchir à un nouveau projet, mais là, j'ai vraiment rien de concret. Je ne suis même pas à l'étape d'écrire un scénario. Enfin, je suis vraiment en train de construire mes idées, c'est tout.